Avec 90% de nouveaux clients, ce réparateur de vélos du centre de Bordeaux ne désemplit pas depuis le déconfinement. Et ceci grâce à l'aide de l'État et de la métropole. Plus d'excuses donc pour réparer ce vieux vélo qui traîne au fond du garage. Explication. Nouveauté pour tous les métropolitains, la mise en place par Bordeaux Métropole d'une aide complémentaire à l'aide coup de pouce de l'État pour faire réparer votre vélo. C'est une aide a posteriori, c'est-à-dire que les personnes après présentent leur facture à Bordeaux Métropole, sur laquelle il est bien démontré qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'État, et nous on vient compléter le reste à charge entre 10 et 50 euros, dans le but de développer toujours plus de la pratique du vélo. Au total, 100 euros cumulés entre État et Métropole, de quoi réparer chez un vélociste agréé les petits bobos de votre bicyclette. C'est principalement soit une crevaison, le vélo a été abandonné juste parce qu'il avait crevé, ou alors un cap de frein ou des patins de frein à changer. Voilà, c'est vraiment 50-70% du temps. Mais si c'est un vélo qui a été abandonné au milieu du garage via des crevaisons, des câbles à changer, dans 50-60 euros, le vélo peut rouler pour aller au travail. Faire une petite révision, faire un petit check-up pour resserrer tous les boulons, toute la sécurité, et puis après le vélo peut rouler. Voilà. Et si vous ne possédez pas de vélo, la métropole vous en met gratuitement à disposition ou peut vous aider à en financer un lors de l'achat. Toutes les informations sont sur bordeaux-métropole.fr.